Bonjour tout le monde, c'est JST3, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur War Thunder. War Thunder est un free-to-play qui nous plonge au cœur de la Seconde Guerre mondiale, aux commandes d'avions de 5 nations, à savoir les Américains, les Allemands, les Russes, les Japonais et les Britanniques, chaque nation possédant chacune plus d'une trentaine d'avions. Pour ceux que ça intéresse, il n'y a malheureusement pas les Français, cependant, il y a un avion français nommé le Daywating D520 qui est au sein des Anglais, malheureusement. Il s'agit d'un jeu de guerre massivement multijoueur, MMO. Les batailles se déroulent sur des immenses terrains, les missions sont variées et nécessitent très souvent une coordination avec ses alliés pour s'assurer la victoire. Ce jeu étant encore en bêta, toutes ses fonctionnalités ne sont pas encore ouvertes. Nous pourrons donc, dans un futur proche, je l'espère, contrôler des engins de terre, tanks, camions ou encore de mer, cuirassiers, porte-avions et j'en passe. Lorsque vous commencez une partie, vous possédez un certain nombre d'avions. Qui va encore que sorte correspondre à vos vies, ainsi dès qu'un de vos avions est HS, vous en choisissez un autre jusqu'à épuisement de votre stock. Il y a aussi tout un système de hangars permettant d'acheter, de customiser ou d'améliorer les avions avec bien entendu un système de monnaie. Je suis à bord d'un Hurricane MK2 en tant qu'anglais. J'ai quelques heures derrière moi, alors j'espère que mon spectacle sera à la hauteur. Je vous laisse admirer la qualité graphique du jeu qui est tout simplement exceptionnel. Alors, ceux qui, comme moi, vous étiez fâchés avec les jeux d'avion que vous trouviez ennuyants, un graphisme de l'environnement flou et des missions sans intérêt, je pense que vous pouvez vous laisser réconcilier avec War Thunder, qui vous remettra en piste sans aucun doute. Sur ce, je vous laisse savourer.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, à partager et à liker, ça nous fera un très très grand plaisir. Si tu désires faire partie de la communauté SFAB, tu peux alors t'abonner à la chaîne et venir aimer la page Facebook indiquée dans la description pour rester au courant de l'actualité geek. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Justy3, ciao ciao.